Namasté les girls, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Alors ces achats ont été faits en 3 fois sur le mois de février. Donc j'ai décidé d'attendre et de tout regrouper. Allez, on y go, ça va être assez long. Simplement, je vais remettre une petite photo pour les 8 gagnantes. Des fois qu'elle n'ait pas vu la vidéo des résultats, donc je remets une petite photo, il faut que j'y pense. Allez, on y go. On commence par les enveloppes que j'avais besoin pour envoyer vos lots. Donc j'ai pris des petites à 99 centimes et des grandes à 99 centimes. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi elles sont même prix. Là, j'ai pas compris. Ensuite, pour mettre mes papiers YouTube, j'ai pris à 39 centimes cette petite pochette. Toute girly, toute mimi, voilà, donc on n'égarera plus rien. Ensuite, alors, je cherche un peu ce qu'il y a au niveau papeterie. Au niveau papeterie, j'ai pris ce petit carnet, donc noir et argenté, qui est avec des lignes. Alors, il se battait tout seul dans le rayon, il était tout seul, perdu, il disait... Prends-moi, prends-moi. Donc du coup, à 1,99€, je l'ai pris. Parce qu'ici, les codes entre moi, mon mari et mon fils, ça commence à faire du peuple. Ensuite, j'ai pris pour Miss J'oublie tout, c'est-à-dire moi, à 99 centimes, des petits mémos. Et j'ai pris ces petits paquets d'étiquettes. Oups, alors dans quel sens? Comme ceci. Que j'ai trouvé trop mignon pour mettre soit dans des cadres, soit pour faire des envois. Alors, je vous en sors un petit paquet rapide, je vous montre. Vous avez les enveloppes qui vont avec et franchement, vous avez la place d'écrire au dos. Elles sont trop choues. Pour 99 centimes et avec les enveloppes, non mais que demander de plus? Noires, elles sont topissimes. Là, on a de la place d'écrire. J'adore. Puis vous avez des petites ficelles au bout. Voilà, 99 centimes avec les enveloppes. Donc j'en ai pris deux. Ensuite, pour mon fils qui part en voyage, je vais devoir me séparer de lui 4 jours. Ça va être très très difficile. Alors, pour mon fils, je lui ai pris tout simplement un attache-bagage pour ne pas perdre son bagage. Voilà, donc j'ai pris les couleurs qu'il aimait, bleu et orange. Comme le petit stylo était manquant dans le petit carnet, alors je ne sais pas si à la base il y en avait. Donc j'ai pris des stylos à 99 centimes. Voilà, pour mon mari. Alors en fait... Il passait une radio, donc du coup je lui ai dit pose-moi action. Et il m'a dit trouve-moi des patchs chauffants. Donc on y go, je lui ai pris ceci, il y en a deux dans chaque paquet, à 99 centimes. Alors c'est pas ceux que j'avais pris la dernière fois, mais il en avait été très très content. Celui-ci à 99 centimes, c'est pareil, deux pièces. Et celui-ci, alors attention, il n'a gardé que 3 heures celui-là parce que c'est un emplâtre. Voilà, donc à voir s'ils sont aussi intéressants que les autres. Allez, niveau beauté, on y go. C'est ce que vous préférez. Alors, j'ai pris pour les gagnantes également des petits masques. Apparemment, ils sont nouveaux, donc Kitty Face et Panda Face. Alors, ils étaient à 68 centimes, si je me souviens bien. J'ai pas mis les prix dessus, parce que ça fait moche quand même. Pour mon fils, je lui ai acheté le peel-off pour enlever les points noirs. Alors, je ferai un test sur moi avant, parce que ce jeune homme est très très sensible. Parce que rien que quand on lui enlève un patch sur le nez de chez Inel, vous savez, les petits papiers blancs, il hurle, alors ça, je vous explique même pas. Donc, je vais y aller mollo. Ensuite, j'ai trouvé les petits... alors, il était à 1,95€. Hein. Ensuite, j'ai trouvé à 99 centimes les petits masques faciales qui ressemblent vraiment à ceux de chez... Ah ! Je vais y arriver. À
ceux de chez Sephora. Ouh, c'était dur à dire. Donc, vous nettoyez votre visage, vous le séchez, vous appliquez, vous laissez pénétrer et vous ne rincez pas. Voilà, alors peut-être aussi dans les lots concours. Une petite crème pour les mains à 99 centimes. Elle n'avait plus que deux, elle se battait en duel. Ensuite, j'ai trouvé les patchs au concombre. Alors, à tester aussi. Vous en avez 4-7 à l'intérieur. Niveau compo, le dernier composant, c'est simplement l'horreur. Je m'en suis aperçue après, donc à voir aussi à tester. J'ai trouvé le roll-on pour anti-cerne à... Alors attendez, est-ce que je l'ai marqué 4... J'ai marqué à l'intérieur, je crois. Oui, 98 centimes. À essayer aussi, mais en fait, j'ai fait une belle découverte dans la marque The Ordinary. Je vais bientôt vous en parler et donc je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je mettrai peut-être dans les lots également. Voilà, j'ai fait une autre trouvaille. Alors, à 99 centimes, j'ai repris une petite brosse pour les ongles. Tout simplement, j'en mets partout, en haut, en bas, à la salle de bain, à la cuisine. Voilà, elles sont toutes souples, elles sont faites pour le visage, mais pour les ongles, c'est topissime. Ensuite, j'ai pris une pile épilatoire, alors à 2,99€. Donc, dans mon Leclerc, vous pouvez rajouter 2€ coup sûr. Ensuite, j'ai pris cette petite boîte à 1,19€ pour ranger tous mes médicaments sur ma table de nuit parce que ça m'énerve de voir toutes ces boîtes, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Voilà. Et j'ai craqué pour la bougie Watermelon. Alors, à la pastèque, elle sent super bon. Il y avait celle à la passion, mais je préfère tester celle-ci et je verrai le mois prochain pour l'autre. Toujours au niveau make-up, enfin, on va dire rayon beauté, etc. J'ai pris le gel d'aloe vera à 90%. Alors, au niveau compo, un petit peu mieux. Alors, pourquoi j'ai pris ce gel? Tout simplement, c'est pour après l'épilation, au niveau des jambes. Et aussi pour certaines zones d'eczéma ici. Alors, moi, j'utilise du bio. Mais pour les petits bobos, pour les coupures, etc. J'utilise du bio pour le visage, pour mes masques. Mais là, pour les jambes, j'avais pas du tout envie d'utiliser mon produit bio et j'avais plutôt envie de l'économiser. Voilà. Et pour finir, j'ai pris ceci qui est, vous savez, une petite lampe qui se fixe sur le portable. Alors, je crois qu'elle fait aussi agrandissement. Alors, elle était à 4,18€. J'ai cassé la mienne de chez AliExpress et puis j'avais pas la patience d'attendre un mois et demi pour recevoir l'autre. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci. Voilà, et bien, écoutez, j'ai été un petit peu vite pour que les vidéos soient au plus courtes. Je vous dis tchuss. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo et à bientôt.